Tes congénères. Hein? Mais là, je ne vois plus rien. C'est le molle. J'ai l'impression que c'est le mâle avec ses femelles. Regarde-le. Il vient défendre ses femelles. On est là, 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 on est
Je parle à tous les hommes parce que mon vestiaire contient des vérités qui servent de leçon. Tout parle dans mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. J'ai souvent dessiné, souvent imaginé le jardin de mes rêves au fil de mes pensées. Avec des treillages et des fleurs à parfum, des plantes à proverbes. Je suis des hommes parce que mon vestiaire contient des vérités qui servent de nous. Tout parle en mon ouvrage. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux, pour le témoigner, que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien, s'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens fiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui du soir au matin sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être. Je vous demande d'échanger entre vous les amabilités qui conviennent. N'oubliez pas que les petits hommes nous regardent. Nous trinquons à monsieur de la Fontaine qui nous a fait l'honneur de ses fables. Petit agneau, je t'autorise à boire de mon eau. Roi des animaux, ça va pas être facile pour toi de souper à travers un filet. Tiens, petit corbeau. Mange un peu de mon fromage. Pas loin, hein.
Et silencieux, certes,